données inconnues, données inconnues. J'ai compris. Spododo draine l'énergie de Sacha, mais dans le même temps, Sacha reprend de l'énergie en mangeant autant qu'il veut. C'est incroyable. Venant de Sacha, rien ne m'étonne. Non, il ne me surprend plus du tout. Vite à manger. Tout de suite. Tiens. Merci. Encore vite, merci. Encore vite, merci. Encore vite, merci. Encore vite, merci. T'as vraiment fait le maximum, Spododo. Spododo? Spododo? Ça y est, ils sont devenus amis. Drôle de façon de débuter une amitié, mais ça a marché. Méthode d'apprivoisement de Spododo, encodé. Oh, regardez, qu'est-ce qui brille comme ça? Oh, qu'est-ce que c'est encore? Des esprits égarés? Oh, je ne crois pas, non. Ce sont... d'autres Spododo. Spododo? Spododo, Spododo! Oh, Spododo, où tu vas? Viens, Pikachu, suivons-le. Pika! Sacha, pas si vite! Attends-nous! Incroyable! Regardez-les tous! Où peuvent-ils bien aller comme ça? J'en ai aucune idée, mais j'ai très envie de le découvrir. Et vous? Cet endroit est sûrement le préféré des Spododo de la forêt. Quelle merveilleuse lumière! Magnifique. Je n'aurais jamais imaginé que tant de Spododo pouvaient évoluer en même temps. C'est extraordinaire! Ça dépasse l'imagination. Lampignon, la forme évoluée de Spododo. Comme Spododo, Lampignon draine l'énergie de l'adversaire. Mais... il peut aussi partager son énergie avec ceux qu'il aime. Mais bien sûr, je comprends. Les Spododo ont voulu aider cet arbre et ils ont rassemblé leur énergie pour le faire. Je sais qu'en camping, on est censé allumer un feu de camp et faire griller des chamallows. Mais il faut avouer que ceci est beaucoup plus fascinant. Et oui. Comment? Je me demande si c'est le Spododo de tout à l'heure. Alors comme ça, toi aussi t'as évolué. Félicitations. Oh,